La méthode la plus usitée pour tuer les renards est l'électrocution anale.
Le processus consiste à fixer une pince sur le museau du renard, à introduire une barre métallique dans l'anus de l'animal, puis envoyer une décharge électrique par l'intermédiaire d'une batterie. D'autres renards se font simplement étourdir à coups de gourdin sur la tête, comme le montre une récente investigation en Chine. Puis se font dépecer alors qu'ils sont encore vivants et se font arracher la peau alors qu'ils sont encore vivants. Donc soyez vigilantes à vos cols de manteau en fourrure, car bien souvent c'est de la vraie fourrure. Et donc je pense pas que ce soit une preuve de beauté de porter les restes de cadavres d'animaux qui ont été torturés. Les visons sont quant à eux gazés ou tués par injection mortelle. Des fermiers préfèrent tuer ces animaux en leur brisant le cou. Bien souvent, ces méthodes pratiquées sur place ne garantissent pas la mort immédiate de l'animal. Les éleveurs de chinchillas reconnaissent qu'ils tuent les animaux en leur brisant le cou ou en les électrocutant. Une récente investigation aux États-Unis a révélé des pratiques particulièrement barbares. On électrocute les chinchillas en leur plaçant une sonde à l'oreille et l'autre au pied. Après l'électrocution, beaucoup sont toujours conscients. L'électrocution raidit l'animal, mais l'activité cérébrale ne cesse pas sur le champ. Les autres chinchillas se font briser le cou. L'opération ne prend qu'une seconde, mais les animaux se tordent sous des spasmes continus pendant de longues minutes. La mort cérébrale n'intervient pas immédiatement après la dislocation des cervicales. En Asie centrale, les moutons caracules sont désormais élevés pour répondre au marché de la fourrure de luxe. Pour produire de la peau d'agneau de haute qualité, la mère est tuée juste avant la naissance de son petit et le fœtus est récupéré pour être dépecé. Les éleveurs ont pour seul objectif de préserver la qualité de la fourrure. Ils utilisent des méthodes d'abattage visant à garder intactes les peaux sans se soucier des souffrances extrêmes endurées par les animaux. De détention déplorable. Les aliments à fourrure n'auront connu durant leur courte vie que les sols triagés de cages trop étroites pour leurs besoins naturels en matière d'espace. Les abris ouverts sur l'extérieur ne les protègent pas du vent ou des intempéries extrêmes. Leur fourrure n'est pas suffisante pour se protéger des grands froids hivernaux, notamment en Norvège. Pendant les fortes chaleurs de l'été, les visons ne peuvent se rafraîchir dans l'eau comme ils le feraient dans la nature. Les éleveurs s'opposent fermement à donner un accès à un point d'eau pour éviter d'abîmer la fourrure. Les maladies contagieuses se propagent rapidement chez les animaux concentrés dans les élevages, tout comme les tiques, les puces et autres insectes attirés par les amas d'excréments laissés sous les cages. Les animaux sont placés dans de minuscules cages grillagées. Il n'y a aucune condition d'hygiène en fait. Il y a les excréments qui s'accumulent sous les cages. Bien souvent, ils ont des blessures aux pattes à cause du grillage. Les enquêtes ont dévoilé que les animaux souffraient d'infections et de blessures non soignées. Mais tant que cela n'affecte pas la qualité de la fourrure, les éleveurs ne voient pas l'intérêt d'intervenir. Un rapport scientifique européen dément d'ailleurs le rapport entre bien-être animal et qualité de la fourrure, comme voudraient le faire croire les fourreurs. Les animaux sont en effet abattus à l'âge de 6 ou 7 mois après leur mue hivernale, qui masquera tous les défauts de leur pelage. Un niveau de pollution alarmant. L'élevage des animaux pour leur fourrure provoque les mêmes problèmes de pollution que l'élevage intensif. Une étude universitaire révèle que les excréments des 2,81 millions de visons élevés aux États-Unis en 1999 ont produit plus de 1000 tonnes de phosphore que l'on retrouve dans l'écosystème. L'énergie nécessaire pour produire un manteau en véritable fourrure à partir d'animaux provenant d'élevage est 20 fois supérieure à celle nécessaire pour produire l'équivalent en synthétique. Pour la conservation et le traitement des fourrures, des produits néfastes à l'environnement sont massivement utilisés. Aujourd'hui, les élevages se situent principalement dans les pays scandinaves, en Russie, au Canada, en Pologne, aux États-Unis,
et de plus en plus en Chine, où la main-d'œuvre est très bonne et les lois pour la protection des animaux sont totalement absentes. Les élevages sont semblables d'un pays à l'autre. La France contribue aussi à ce marché. On y trouve une vingtaine d'élevages de visons. 150 000 visons ont été élevés puis gazés en 2011 en France. En Poitou-Charentes, 55 000 lapins orulailles ont été sacrifiés en 2011. 55 000 lapins. La France compte plusieurs élevages de ragondins. Des chinchillas sont également élevés en France pour leur fourrure. L'association Fourrure Torture estime que 40 millions de fourrures de lapins sortent annuellement des abattoirs français pour alimenter le commerce de la fourrure. 150 000 visons sont tués chaque année en provenance de la vingtaine d'élevages que compte la Belgique. Des chinchillas sont également élevés pour leur fourrure en Belgique. La consultation de la Commission européenne révèle que plus de 80% des Européens pensent qu'il faut améliorer en Europe le niveau du bien-être et de protection des animaux à fourrure. Plusieurs pays d'Europe ont pris des mesures pour restreindre ou interdire les fermes à fourrure. Le Royaume-Uni a interdit tout élevage d'animaux à fourrure pour des raisons éthiques depuis le 1er janvier 2003. Aux Pays-Bas, les élevages de renards et de chinchillas sont interdits. Les provinces d'Autriche ont prohibé l'élevage des animaux à fourrure ou imposé des normes strictes. En Suisse, la législation interdit l'élevage intensif des animaux à fourrure. Toutes ces réglementations à travers l'Europe montrent que le bien-être des animaux à fourrure ne peut être satisfait en captivité. La seule solution est de fermer les fermes à fourrure si on veut arrêter les maltraitances animales.